Le maire de Francheville accusé d'islamophobie par une jeune femme. Pour en parler ce soir, Arthur Blé est avec moi. Arthur, les faits se sont déroulés ce week-end. Oui, précisément samedi soir dans la salle des fêtes de Francheville, de la salle des fêtes de l'Iris, lors d'une cérémonie en l'honneur des élèves de Francheville qui ont reçu cette année une mention au brevet ou au bac. Et parmi les bachelières, Bilkis, lorsqu'elle s'avance sur scène pour recevoir son prix et avoir une photo avec le maire Michel Rantonnet, comme il en est de coutume, celui-ci s'éloigne. Regardez, on voit sur cette vidéo le maire avec son écharpe tricolore s'éloigner alors que Bilkis, qui est habillée en vert, voilée, s'approche de la scène. Bilkis prend donc une photo avec l'adjointe. Puis une fois qu'elle quitte la scène, le maire revient sur scène prendre des photos avec tous les autres jeunes. Pour la bachelière, c'est de l'islamophobie, car elle était la seule élève voilée de cette cérémonie et la seule à ne pas avoir eu de photo avec le maire Les Républicains, Michel Rantonnet. La jeune femme nous a raconté ensuite, après la cérémonie, à être allée voir des adjoints pour avoir des explications. Il lui aurait répondu qu'il faut arrêter de voir le mal partout, qu'elle s'invente une vie. Elle aurait ensuite cherché à discuter avec le maire, mais le maire lui aurait dit de ne pas souhaiter faire de photo avec elle ou lui parler. La bachelière est désormais en étude supérieure à Lyon. Elle souhaite porter plainte. De son côté, le maire Les Républicains, Michel Rantonnet, n'a pas souhaité s'exprimer. Il a été contacté par BFM Lyon. A noter que toute trace de cet événement a disparu des réseaux sociaux et du site internet de la ville de Francheville. Merci Arthur pour ces précisions.